Il est certain que pour faire passer les messages, on a besoin de passer par les canaux de communication, tels que radio, presse écrite, réseaux sociaux et médias. Mais en même temps, on ne sait pas comment l'information qu'on communique sera diffusée, sera traitée, sera remaniée, etc. Et c'est après avoir fait passer certains messages qu'on se rend compte de la manière dont ça a été diffusé et de la manière dont ça a été traité. Et c'est pas tout le temps satisfaisant. J'ai eu dès le début d'année une colère, mais une frustration par rapport à ça. Donc je dirais que le traitement est relatif et ne sert pas du tout l'information, le fait d'informer les gens réellement, mais sert plutôt le sensationnel et le buzz. C'est un résumé très court, mais voilà, c'est le sentiment que j'ai eu en tout cas dans le début d'année. D'abord le sensationnel et le buzz, et aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est passé par plusieurs phases. On est passé par des phases où, quand on a eu, en tout cas dans le cadre du mouvement, à dénoncer certaines fake news ou à remettre l'information, à donner la bonne information face à une fake news ou alors en communiquant sur des informations qui avaient mal été diffusées, on se trouvait dans une guerre. Et à ce moment-là, il y a eu à un moment donné des rectifications qui avaient été faites, mais suite à cette massive rectification via les réseaux sociaux. Voilà, ça n'a jamais été du propre chef du média de dire voilà, on va rectifier parce qu'on sait qu'on a fait une erreur, ou alors on va approfondir la recherche avant de diffuser. Non, on diffuse parce qu'il faut servir le buzz, il faut servir le sensationnel. Mais c'est que quand ça fait effet boucle de neige sur les réseaux sociaux, quand on se rend compte que les vraies vidéos sont diffusées, que les vrais témoignages commencent à affluer, que là on a quelquefois des rectifications qui sont faites. Mais c'est pas évident, on a des petits pics comme ça. Autrement, pour moi, si on reste sur la lignée de servir le buzz. Vous, les gilets jaunes, en fait, ils devraient dire « vous les citoyens » parce que les gilets jaunes sont au fond représentatifs du peuple et des citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire au point de vue de la façon des médias de considérer les citoyens alors ? L'idée, c'est de d'isoler en fait, les personnes qui font partie du mouvement, mais d'isoler, de leur mettre une étiquette et puis ensuite d'associer des faits qui ne sont pas forcément glorieux à ces personnes-là pour justement servir ensuite toutes les fake news qui alimenteront le buzz. Et dire, voilà, ça concerne que cette partie de la population qui n'est pas du tout représentative du reste de... Les gens qui sont dans la rue représentent en fait le public et les intérêts publics, il faut les diviser. Ce qui est défendu concerne chacun, en fait, ça ne concerne pas le gilet jaune en particulier. Et bien, quand on dénonce les services, certaines choses qui se passent au niveau des services publics, lorsqu'on dénonce les conditions de travail de certains salariés, lorsqu'on dénonce certains sujets au niveau du climatique ou quoi, ce sont des sujets qui concernent tout le monde. Et il ne faut surtout pas que tout le monde se rende compte de ça. Si on se rend compte qu'on est concerné, là, du coup, on prête une oreille un peu plus attentive, on regarde les choses un petit peu différemment, on cherche la bonne information là où elle est, et les consciences s'éveillent. Il ne faut surtout pas que ça se passe. Je vais commencer par un début d'analyse. Très simplement, les médias, ils défendent le pouvoir, systématiquement. Et en fait, depuis des années, ce qu'ils défendent, c'est l'idéologie néolibérale, qui est très improprement, à mon avis, nommée, parce que quand les gens entendent néolibéral, ils entendent liberté, et spontanément, la liberté, c'est quand même vachement mieux que la prison. Et je pense, moi, qu'on devrait dire la dictature des ultra-riches. C'est-à-dire que toutes les règles sont faites dans leurs intérêts, et quand il n'y a pas de règles, exemple le libre-échange, ça sert aussi leurs intérêts. Je dis ça pourquoi ? Pour donner, sur deux ans et demi, nous savons qu'Emmanuel Macron, il a bénéficié d'un petit vent dans le dos au niveau des médias, que c'était leur poulain, et qu'ils ont tout fait pour le porter au pouvoir. Et de cette manière, on comprend pourquoi, aujourd'hui, quoi qu'il advienne, quelles que soient les atteintes aux libertés fondamentales,
quelles que soient les alertes et même le sermon qui est adressé par les instances internationales aujourd'hui, les médias vont s'appliquer à défendre le pouvoir en place. C'est la raison pour laquelle, et donc là je donne quelques exemples du traitement médiatique du mouvement, dès le début, dans les tout premiers jours, ils se sont tout de suite jetés sur là le fait antisémite, là le fait raciste, là le fait divers homophobe, pour essayer de discréditer le mouvement. Je m'en souviens très bien, parce que moi au début, j'étais dans une logique d'essayer de convaincre mon barreau de porter le gilet jaune par-dessus la robe. J'ai lamentablement échoué dans mon entreprise. On était 70, 4 votes pour, dont le mien. Bon, j'avais un petit espoir, parce que 6 mois plus tôt, j'avais réussi à les convaincre de manifester avec les cheminots. Mais bon, là, le gilet jaune, ça n'a pas pris, et pour cette raison-là. Parce que tout de suite, ils m'ont dit « Ah, mais tu te rends pas compte, François, c'est un mouvement homophobe, raciste, t'as vu ce qu'ils ont fait avec les migrants, là, etc. » Donc, tout de suite, la propagande médiatique a joué son effet pour effectivement essayer de bien expliquer que les gilets jaunes, c'était des gueux, analphabètes, violents, racistes, et que les gens de bonne famille, bien éduqués, etc., quand même, ils n'allaient pas aller avec les gilets jaunes. Bon. On a également eu un autre exemple du déni, en fait. Moi, sur le traitement médiatique, il y a quelque chose qui me frappe et qui me renvoie à une citation de Charles Péguy, c'est « Il faut toujours dire ce que l'on voit, mais surtout, et c'est plus difficile, il faut toujours voir ce que l'on voit. » En fait, les médias ne veulent pas voir. Et l'un des exemples topiques qu'on a eu au début du mouvement, c'est que pendant 2 mois, sur les réseaux sociaux, on avait toutes les photos et les vidéos qui circulaient des violences policières, des gens qui ont été mutilés, qui ont eu des mains arrachées, qui ont eu des yeux éborgnés. Et pendant 2 mois, c'est silence radio dans tous les médias. Et télévisuel, silence radio, télévisuel. On n'a rien là-dessus. On n'a absolument rien. Alors, ils ont effectivement dû rétro-pédaler. À un moment donné, ils ont commencé à devoir traiter le sujet, mais comme d'habitude, quand ils rétro-pédalent, c'est toujours à moitié. C'est-à-dire qu'ils ont concentré le débat sur le LBD, à savoir est-ce que c'était une arme indispensable ou pas, et puis alors ils constituaient des débats avec le type du syndicat Alliance contre le gilet jaune, et puis le type d'Alliance nous expliquant que, bah oui, mais les policiers, ils peuvent pas se défendre autrement, parce que ça, LBD, c'est lanceur de balles de défense. Hein. Bon, tout le monde a compris que c'est un lanceur de balles d'attaque, hein, je crois que ça fait peu de doute pour personne, mais du coup, ils ne traitaient pas, en fait, les victimes. Ils traitaient, encore une fois, l'approche était celle des techniques de maintien de l'ordre. C'est toujours ça. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs dans le cadre des manifestations. Autre exemple, plutôt que de nous montrer les cortèges massifs qu'il y avait dans Paris ou dans les grandes villes de province, non, on nous montrait toujours le feu de poubelle et les moments où il y avait des affrontements, en faisant intervenir les experts en sécurité plus ou moins autoproclamés et qui viennent nous expliquer quelles sont les techniques de maintien de l'ordre, etc. Donc on passe totalement sous silence, évidemment, à chaque fois, les raisons pour lesquelles vous avez des gens qui manifestent. Quelles sont leurs revendications? C'est la technique habituelle. 6 mois plus tôt, bon, maintenant c'était il y a 1 an, mais la réforme des cheminots, effectivement, et j'entendais ça sur l'émission jeudi, mais c'est tout à fait exact. Le traitement à ce moment-là de la grève des cheminots, c'était toujours de dire que c'était une prise d'otage des usagers. On venait faire le micro-trottoir proche du train, évidemment, on tombait sur un type énervé qui ne pouvait pas prendre son train, évidemment. Mais on n'expliquait jamais le pourquoi du comment. Ces gens-là, en fait, se battaient pour tout le monde, pour la préservation du caractère public, du service du rail, etc., etc. Donc c'est toujours la même technique. On invisibilise, en fait, les revendications, les raisons de la colère légitime. Et on essaie d'accentuer toujours, de porter le discrédit sur un mouvement contestation sociale ou populaire. Voilà ce qui est le traitement, avec l'objectif in fine, effectivement, de couper systématiquement la communication entre ceux qui sont mobilisés sur le terrain et le reste de l'opinion publique. Et je vais laisser la parole, mais simplement de dire que ça a fonctionné. Il faut être clair, depuis 2 ou 3 mois, moi je parle avec ma boulangère, avec ma sœur, avec les amis qui ont voté Macron. Bon. Alors, je les ai choisis, mais ils ont d'autres qualités, je vous assure, ils ont d'autres qualités. Mais du coup, simplement pour dire que ça a apporté, parce qu'ils me disent « Oh, mais on comprend plus très bien, les revendications, elles ont changé, on comprenait au début, mais là quand même, qu'est-ce que vous voulez maintenant ?» Donc on voit que ces techniques,
elle fonctionne malheureusement, et donc effectivement, on est dans une guerre de communication. Je pense que c'est ce qui fait le rapport de force politique qui se joue aujourd'hui entre le pouvoir exécutif et le mouvement des Gilets jaunes. Il y a une chose qui m'a plu là-dedans, c'est à propos des lanceurs de vagues de défense, parce que sur le plan des guerres, vous avez en France et dans mon pays aussi un ministère de la défense qui en réalité, et personne n'attaque en la France, est un ministère de l'attaque. Et donc, on devrait appeler ça un ministère de la guerre. Alors, ça me semble très bien. Mais je veux souligner par là, et d'ailleurs, avant 14-18, ça s'appelait ministère de la guerre. Je veux souligner par là que un des éléments de cette bataille d'aujourd'hui, c'est la bataille du langage. Et donc, c'est quelque chose que j'ai en projet à partir de la rentrée, de faire une petite émission sur les mots qui nous piègent et la manière dont l'adversaire nous coince dans des mots qui, en réalité, se retournent contre nous. Étienne, on vient de dire là, sur la façon dont les médias ont diabolisé le mouvement, François a souligné qu'il y a eu une vague de critiques et de reproches contre le mouvement. Une fois, il était d'extrême droite, une fois, il était antisémite, une autre fois, il était irréaliste, il comprenait rien à l'économie, et puis il est violent. Quand on accuse quelqu'un comme ça de plusieurs arguments dans tous les sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de toute façon, on cherche un bâton pour... Les dominants ont besoin de maîtriser l'information. Pour y parvenir, il y a toutes les techniques qu'on a commencé à décrire, il y en aura d'autres. Mais principalement et premièrement, il faut d'abord acheter les médias. Et pour acheter les médias, il faut que ce soit possible. Si nous avions une vraie constitution, je peux vous dire que nous aurions depuis longtemps interdit l'achat des médias par les plus riches. Et de cette façon, nous aurions interdit à la racine, au départ, toutes ces calomnies et toutes ces déformations, tous ces mensonges. Michel décrit, je trouve, magnifiquement les techniques de mensonges à propos des guerres. Il parle de médias mensonges depuis des années, je pense même que c'est des décennies. Ça devient extrêmement rodé. Je vous conseille de lire le livre de Michel sur les médias mensonges, c'est remarquable. Et ce qu'il dit à propos des mensonges pour justifier et légitimer la guerre et diaboliser les opposants à la guerre vaut tout à fait pour les Gilets jaunes, parce qu'en fait, les Gilets jaunes sont les victimes d'une guerre sociale, une guerre économique et sociale. Et c'est pour ça que les procédés de discrédit des opposants politiques, en l'occurrence des Gilets jaunes, sont les mêmes qu'en matière de guerre. Donc on peut faire référence au travail d'analyse de Michel pour comprendre la façon dont les opposants politiques que sont les Gilets jaunes et que seront bientôt tous les citoyens, j'espère qu'on sera bientôt tous Gilets jaunes, fonctionnent. Une fois qu'on a acheté les médias, on peut contraindre au silence les interlocuteurs, les porte-paroles les plus pertinents, les plus éloquents. Et puis, au contraire, on peut passer en boucle ceux qui se débrouillent le moins bien, qui sont le moins entraînés, qui bégayent, qui bafouillent ou qui disent une bêtise, parce que personne n'est évidemment à l'abri d'une bêtise. Et ensuite, le rôle des médias est de faire tourner en boucle ce qui va mal et de cacher ce qui va bien. Sur le plan de la violence, par exemple, il y a bien sûr... de multiples violences en cause. Il y a à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes quelques violences, mais qui sont toujours secondes. Et les médias, bien sûr, ne parlent que de ces violences-là et taisent soigneusement les causes de ces violences, qui sont des violences premières, qui sont les violences sociales que subissent les Gilets jaunes et d'autres qui ne sont pas encore Gilets jaunes, mais ces violences sociales et économiques qui sont notamment une grande difficulté à vivre et un emprisonnement économique qui devient insupportable. Cette violence-là, les médias, bien sûr, la taisent. Il y a toutes sortes d'intimidations qu'on voit sur les plateaux qu'on devrait relever et disséquer. Quand on veut discréditer quelqu'un, on peut l'intimider avec des questions difficiles, des questions agressives, des questions qui sont longues et qui laissent peu de temps pour répondre. On peut se mettre à trois ou quatre autour de la personne dont on veut organiser le discrédit. Hein. Vous avez remarqué que les éditocrates
ne prennent jamais leur victime de Mahomme face à face, quoi, hein, ils se mettent toujours à deux ou trois. C'est grand courageux. Et ils ne manquent pas de déformer, d'utiliser les mots qui vont bien pour humilier, discréditer, et bien sûr sans jamais laisser le temps de répondre comme il faut. Donc, on verra tout à l'heure, c'est évident qu'il nous faut nos médias pour que notre parole et notre pensée, la propagande de nos idées, parce que propagande c'est pas forcément un mauvais mot, hein, c'est devenu un mot péjoratif, mais ça l'est pas forcément. Mais la publicité de nos idées, il faut vraiment qu'on s'organise pour la respecter. Je me tourne vers Robert Charvin, que j'ai le plaisir d'accueillir en tant qu'éditeur, parce qu'InvestiAction, c'est une maison d'édition, parce qu'on ne peut pas faire confiance au mainstream pour publier tout ce qui est nécessaire. Et Robert vient publier chez nous, ça sort cette semaine, « La peur, harpe politique ». Et vous voyez là, si vous avez de bons yeux, le sous-titre, « Gouverner, c'est faire peur et rassurer ». Donc j'ai trouvé que Robert était tout à fait à sa place dans ce panel. Et je voudrais demander, Robert, d'abord, pourquoi ce livre? D'où est venue l'idée? Ouais, parce que je crois que l'actualité nous pousse à foncer dans cette direction. Mais je repense sur qu'est-ce qui domine dans cette campagne actuelle contre les Gilets jaunes. C'est le mépris, pour moi. Un mépris de classe, parce qu'il y a une raison très précise, deux raisons très précises. La première, c'est parce que pour la première fois, depuis longtemps, les Gilets jaunes sont partis à l'offensive alors que toutes les luttes sociales ces dernières années étaient défensives. Et cette offensive, elle fait peur aux dominants. Elle fait peur aux dominants en décembre. On nous raconte aujourd'hui, ça doit être vrai, que la direction élyséenne était dans un bunker ou proche d'un bunker parce qu'elle craignait des mésaventures pour leur propre sort. C'est dire quel est le caractère pitoyable de ce macronisme. Offensive, jamais je crois on ne remerciera assez les Gilets jaunes d'être passés à l'offensive alors que depuis très longtemps on ne faisait que se défendre en carré. On se sentait à Waterloo. Bravo. Par ailleurs, ce mépris est absolument insupportable, y compris de la part d'une large partie de l'intelligentsia, hélas. Quand on pense à Ferry, quand on pense à Cohn-Bendit, quand on pense, etc. On a vraiment le sentiment de passer pour des cons. Hein. Nous serions tous les cons réunis simplement parce qu'on développe une lutte sociale. Ça a toujours été le cas. Si vous regardez juin 48, si vous regardez après la Commune de Paris, si vous regardez après 47, les victimes, il y a eu des morts dans les répressions policières en 47. On a oublié, hein. À chaque fois qu'il y a une vraie lutte sociale, non pas seulement une lutte sociétale, alors le mépris de classe réagit et la violence intervient. Violence policière et violence médiatique. Elle est tellement étroitement liée que ça ne peut pas être seulement pour nous aujourd'hui. Je crois que c'est un travail en profondeur qui se développe. Beaucoup d'économistes, et pas seulement les plus atterrés, hein, beaucoup d'économistes nous disent que le système d'aujourd'hui est hors d'état d'apporter un progrès social sur les décennies à venir. Conséquence, il faut transformer ce qui était relativement supportable pendant la croissance des années 60-70 en régime autoritaire, avec tous les moyens que cela implique. La violence policière, la violence médiatique, parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à offrir. Plus rien d'autre. Ils ne le veulent plus. Je ne sais pas s'ils le peuvent réellement dans la logique du système, mais je crois que ce qui se travaille en ce moment, c'est en profondeur pour nous et nos descendants immédiats. Et ça risque d'être extrêmement grave dans les années qui viennent, et je crois que la peur est d'actualité parce qu'ils vont la travailler longtemps et en profondeur. Alors justement, tu as évoqué les luttes, tu peux conserver le micro. Tu as évoqué les luttes du passé et la caractéristique de ce petit livre que je vous recommande vraiment, c'est que tu analyses justement les peurs du passé. Chaque fois qu'il y a eu des grandes luttes, les différentes peurs qui ont été suscitées, exacerbées
Et est-ce que tu peux nous dire justement en quoi le fait de se pencher vers le passé est utile pour analyser les problèmes du présent? Parce qu'en ce moment, je crois que les Gilets jaunes et tous ceux qui les soutiennent font l'histoire. Et cette histoire passée, nous devons l'intégrer pour mieux comprendre ce que nous faisons nous-mêmes en ce moment. Et ce que nous risquons de connaître dans les années qui viennent. Je ne veux faire de peine à personne, mais par exemple l'Église, pendant des siècles, travailler avec le pouvoir pour faire peur aux fidèles. Le diable était partout, les sorcières étaient partout, les hérétiques étaient partout. Et cela confortait le pouvoir. Aujourd'hui, on en est à peu près au même stade et les médias remplacent l'Église, dont l'influence est différente. Mais on voit parfois comment aussi on récupère éventuellement un électorat à l'occasion d'un incendie qui est bien tombé pour sauver un courant qui était un peu en difficulté pour différentes raisons, y compris d'ailleurs à cause du discours social du pape, qui gêne beaucoup les catholiques. Mais donc tu parles d'une stratégie de la peur, est-ce que tu peux concrétiser dans le passé, et donc si j'entends pour aujourd'hui aussi, quel est le rôle que la peur joue dans les stratégies du pouvoir, des pouvoirs? On fabrique, écoutez, si vous regardez ce qui a été dit sur les communards, par exemple, c'était les pires des voyous, c'était la racaille du ruisseau. Bon. On l'a dit à chaque fois qu'il y avait une révolution sociale. Pour le sociétal, c'est différent. Il y a une sorte de prudence, il y a des courants progressistes, etc., qui fonctionnent. Et actuellement encore. Si vous lisez le Nouvel Obs, vous verrez que sur le sociétal, ça va. On est en pointe, on est in. Mais sur le social, on reprend les positions du Figaro. Et ça, je crois que c'est extrêmement intéressant. Ça a toujours été le cas. Avril 48, souvenez-vous, pour ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire, on disait « chapeau bas dans la casquette ». Et la bourgeoisie applaudissait la classe ouvrière qui avait soutenu la révolution politique. Mais juin 48, c'est la révolution sociale. Les ouvriers disent « on en a marre, c'est pas seulement des changements politiques qu'on veut, c'est manger mieux, c'est vivre mieux, c'est être mieux soigné, être mieux logé ». Alors là, c'est fini. Là, on envoie les soldats et on tire. Et on tire dedans. Même chose pour la Commune de Paris. Les patriotes contre les Prussiens, à la rigueur, ça se supporte. Mais lorsque les patriotes deviennent des socialistes, deviennent des gens qui veulent simplement vivre mieux, ça s'appelle les socialistes parce que c'est les premiers qui l'ont été. Alors là, on tire dedans. 70 000 morts. 46-47. Les résistants, bravo. C'est bien d'être patriote, encore que la grande majorité des Français n'étaient pas beaucoup dans la résistance. Mais tout de même, ça va. Ils avaient gagné un label, un bon diplôme. 46, 47, 48, alors quand on commence à lancer des grèves sociales, un mouvement pour mieux vivre et pour faire respecter le programme de la résistance, là, on n'est plus d'accord. Et on tire, avec plusieurs dizaines de morts qu'on a oubliés. On les a oubliés parce que, précisément, l'histoire officielle l'oubliait, effectivement. Et aujourd'hui, on retrouve ce mépris social. Ce petit sourire de coin que l'on voit chez les éditorialistes et chez les experts qui arrivent en masse. Dans les méthodes de diabolisation, moi j'ajouterais ce qui n'a pas encore été signalé. D'abord, la diversité des chaînes qui fait croire à un pluralisme. Or, si vous changez de station à la même heure et sur les mêmes informations, vous avez une information standard, hein, qui ne sont pas des informations sur des faits, mais qui sont un bavardage permanent sur ce que l'on veut mettre en exergue. C'est tout. Point final. Et puis aussi, une grande diversité des têtes. Et cette diversité, cette pluralité, fait croire que précisément, si tous ces gens-là différents disent la même chose, c'est qu'il peut y avoir une bonne raison. Ça n'a pas été mis en exergue. La féminisation aussi. Moi, je crois que aujourd'hui, étant donné ce qui s'est passé depuis un bon moment, les femmes sont plus crédibles que les hommes. Et en conséquence, faire passer des femmes nombreuses, notamment chez les journalistes et chez les éditorialistes ou chez les animatrices d'émissions, c'est rendre les choses plus crédibles. Elles sont attractives, plus que les hommes. Les hommes sont un peu usés, regardez Apathy, le pauvre. Hein. Bon. Et le renouvellement physique débouche aussi sur un renouvellement de la crédibilité. Et je termine à propos de la crédibilité. Moi, je me pose une question de savoir si on ne rend pas un mauvais service en allant
en étant présent sur les grandes stations. Je ne parle pas des autres. Hein. Celles où on peut intervenir en parlant réellement, avec le temps nécessaire, comme disait Bourdieu, et non pas le bavardage à toute vitesse, comme on le voit sur les grandes chaînes. Mais être sur les grandes chaînes, au milieu d'un encerclement, sans grenades, mais presque, hein. Il y a des grenades verbales qui sont presque aussi efficaces que les grenades de désencerclement, comme disent nos amis CRS. Hein. Bon. Je me demande si on ne rend pas crédible précisément cette fausse vérité qu'on veut nous imposer. Souvenez-vous, pour ceux qui ont connu l'époque gaulliste, sous la période de Gaulle, avec Perfit, ministre de la Formation, etc., il n'y avait plus un opposant qui passait à la télé. Ça a été un très mauvais coup pour le gaullisme, qui a permis de rajeunir, de faire de Mitterrand un enfant tout jeune de la vie politique. Alors, c'était pas tout à fait le cas. Parce qu'il avait disparu des écrans, comme tous les opposants, il est réapparu comme un homme neuf. Parce que le monolithisme gaulliste était trop grand. Depuis, on a tiré des leçons, je crois, et il faut toujours quelques opposants ici et là pour rendre crédibles ceux qui sont dominants. Je me pose la question, j'ai pas de réponse, hein. Je ne sais pas exactement ce que tu dis. Il ne faut pas aller sur les grandes chaînes, c'est un appel au boycott de certaines chaînes. Pour ma part, oui. Appel au boycott. Bon, on en reparlera dans. On en reparlera dans. C'est peut-être une solution, étant donné que. Mais je ne suis pas un ayatollah. Que c'est quand même des vendeurs de publicité, hein. Souvenez-vous de Patrick Lelay. Le métier de TF1, le métier de journaliste, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Peut-être que c'est un argument à retenir. Je me retourne de nouveau vers Priscilla. On va aborder la deuxième partie de notre réflexion. Pourquoi les médias travaillent comme ça? Quelle est l'explication fondamentale? Sous-entendu, est-ce que ça, ils peuvent changer ou... Il pourrait. Est-ce qu'il y a volonté? Alors, je considère quand on est journaliste, on est, pour moi, on est censé être le premier lanceur d'alerte. Celui qui vraiment va chercher à enquêter, à rechercher la vérité, à la communiquer, puis à se protéger aussi, parce que quand plus on communique, plus on dit vrai, et plus on est censuré ou menacé éventuellement. Et je pense que c'est là que se trouve la déception, c'est de constater que malgré le fait que moi je puisse comprendre qu'on veuille conserver son métier, qu'on veuille se protéger personnellement, on a quand même aussi le devoir de faire les choses comme il faut et cautionner en diffusant des informations comme ça en boucle, qui ne sont pas forcément, qui ne reflètent pas forcément la réalité, c'est participer à ce que leurs responsables et ceux qui détiennent les chaînes souhaitent véhiculer comme info. Et c'est peut-être aussi à leur niveau, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine désobéissance civile, ou si on peut appeler ça comme ça. Et c'est là que ça se fait pas. Ils pourraient, avec leurs propres outils, dénoncer ce qui se passe, même au sein de leur structure. Et c'est ça que je trouve dommage. Bien, alors je me tourne vers qui veut prendre la parole. Vous pouvez intervenir quand vous voulez, François, Étienne, je ne sais pas. Pourquoi les médias, ils sont comme ça? J'ai littéralement acheté, hein. Vous savez que 9 milliardaires ont acheté tous les journaux du pays. Tous les journaux du pays ont été achetés par 9 personnes en France. En Belgique, je ne sais pas, mais je pense que ça doit ressembler. Les journalistes, donc, achetés, donc, subordonnés. Subordonnés, donc, hein, salariés, ne se sentent pas. J'allais dire ne se sentent plus, mais je pense qu'ils n'ont jamais été. Hein. Ils ont été choisis parce qu'ils sont de leur bord. Ils ne se sentent pas en eux-mêmes la mission de sentinelle du peuple. Ils ne se vivent pas comme étant les remparts de la liberté contre les abus de pouvoir, contre les puissants. Au contraire, achetés par les puissants, ils se vivent littéralement comme les remparts contre, disent-ils, le populisme, la démagogie... Le populisme, alors que populisme, c'est pas un grand mot, hein. Le populiste s'occupe du peuple comme le pianiste s'occupe du piano. Hein. Parler de populisme comme d'une injure, c'est un aveu de trahison. Ce sont les ennemis du peuple qui se servent du mot populiste. Ce sont les ennemis du peuple, évidemment, qui se servent du mot populiste comme d'une injure. Et c'est cohérent, hein, puisque, bien sûr. Donc, ne se sentant pas redevable de la mission d'inquiéter le pouvoir, mais plutôt de le défendre,
Il se comporte, comme on l'a dit tout à l'heure, en calomniant les opposants, en discréditant les opposants, parce que c'est beaucoup plus confortable de calomnier et de discréditer le messager que d'argumenter contre le message. Le message populaire, il est invulnérable, il est extrêmement puissant. Quand les Gilets jaunes deviennent constituants et qu'ils disent « nous sommes, nous les représentés, les seuls à être légitimes à écrire les règles de la représentation », les dominants n'ont rien à dire. Il n'y a pas d'argument contre. Et c'est la puissance du message qui fait l'importance de discréditer le messager. Ça permet d'éviter d'argumenter. Vous le traitez de populiste, de fasciste, d'extrême droite ou autre antisémite, et vous n'avez du même coup plus à argumenter. Donc c'est en fait une lâcheté, cet attirail de calomnie qu'utilisent les médias vendus aux riches. Je pense évidemment aux ultra-riches. Cet attirail de calomnie sert à éviter d'argumenter. François Bégaudeau, dans son dernier bouquin, Histoire de ta bêtise, explique bien, et dans ses différentes vidéos, je vous invite à la regarder, il explique bien comment les bourgeois, depuis longtemps, savent très bien que leur richesse est assise sur une injustice indéfendable, littéralement indéfendable, et qu'il est donc très important de jamais se mettre en situation d'avoir à argumenter. Et donc toujours avoir à cacher, et quand ça apparaît, quand il apparaît, l'opposant le discréditer de façon à éviter d'argumenter. Mon avis. Moi je fais attention aux mots journalistes. C'est pour ça que tout à l'heure, moi je parlais d'éditorialiste, d'animateur d'émission, parce que la majorité des journalistes sont dans une situation de précarité aussi grande que celle de la plupart des salariés. Je ne parle pas des pigistes, alors pour qui c'est extrême. J'ai été enseignant dans des écoles de journalisme. Tous s'interrogent pour savoir quel boulot ils vont avoir à la sortie. C'est la même chose que donc pour ceux qui sont déjà embauchés, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc on a fabriqué un statut de servilité, une situation de servilité, et ensuite une situation liée à la précarité, comme pour tous les salariés de France, comme pour tous les salariés du système mondial, dans lequel... Et chacun donc a peur et est inquiet de savoir comment il va s'en sortir. Parce que les journalistes aussi ont des problèmes alimentaires, hein, pas seulement les autres salariés non-journalistes. Je pense que ce qu'il faut mettre en cause, c'est les directeurs d'information, c'est les éditorialistes, c'est les animateurs de télévision qui eux, vendent leur saloperie en permanence, hein, avec un ton, un style, un mépris. Ils sont surpayés, ce sont les vedettes du milieu journalistique, les super vedettes. Et ce sont donc seulement ceux-là, ils ne sont pas très nombreux, ceux-là. Ils font tourner beaucoup de gens autour d'eux, des nuées de pigistes ou de semi-pigistes, mais les grands, ceux que l'on voit tous les jours, notamment sur les grandes chaînes, ce sont des super vedettes. On peut pas, ce sont les Johnny Hallyday du journalisme. Hein. Donc on ne peut pas assimiler cela à la profession de journaliste qui, elle, est menacé, précarisé et délabré. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des médias, il y a aussi une guerre de classe entre le haut et le bas. Sûrement, sûrement, bien sûr. Il faut se rappeler tout à l'heure, Étienne Chouard rappelait que le Conseil national de la Résistance avait prévu qu'il fallait protéger la presse et de l'argent et du pouvoir d'État. Argent, État. On n'a jamais mis en œuvre ce programme. C'est pas, et le résultat, on l'a aujourd'hui, c'est très clair. Or, le Conseil national de résistance, il n'est jamais cité par personne de la part des gouvernements successifs qu'on a connus depuis des décennies. Voilà. Sauf pour dire que ça compte plus, que c'est passé. C'est trop vieux, ça ne compte plus. C'est fini tout ça. Une dernière petite remarque, c'est sur les niveaux de propagande des chaînes, de télé et de radio. Je crois qu'on a, tous les niveaux que connaissaient bien les organisations de masse d'autrefois. Il y a le niveau élémentaire, les grandes gueules de RMC, par exemple. Hein. Il y a les informés de France Info, niveau au-dessus. Et puis il y a France Culture, par exemple, où on alterne quelques éléments progressistes mêlés à des éléments ultra-conservateurs, et tout ça se mélange de manière à attirer la catégorie, à ne pas faire déconnecter les intellectuels qui sont nécessaires au système. Donc on a à peu près tous les niveaux,
qui sont adaptés à, à une clientèle. Et là encore, les citoyens ne sont pas assimilés à des gens qui doivent recevoir des informations, c'est-à-dire des faits aménagés de quelques commentaires, mais il faut s'adapter pour les persuader que le système est le seul possible et qu'ailleurs c'est pire. Ailleurs c'est pire. Pour les autres pays, regardez, on ne dit jamais que là ils ont réussi quelque chose, là ils ont raté quelque chose. Non, ailleurs c'est pire. Maintenant c'est la Suède qui est pire pour la retraite. On vient d'annoncer que les retraites en Suède se dégradent. Donc vous voyez, le modèle suédois c'est foutu. Ne parlons pas des Africains ou des Asiatiques qui sont des sauvages. Ne parlons pas des Arabes qui sont pourris et terroristes. Ailleurs c'est pire. Chez nous c'est pas mal, même s'il y a des défauts. Et de toute façon on progresse. 14 euros par mois de plus, comme on le disait tout à l'heure. Bien. François aussi voulait intervenir sur la question des médias. Oui, pourquoi les médias agissent comme ça? Alors, ça renvoie à deux choses. Un, quel est l'objectif? Et deux, les raisons pour lesquelles ils poursuivent cet objectif. Alors l'objectif, en fait, je l'avais déjà brossé, c'est défendre le néolibéralisme, les ultra-riches. Et l'effet produit, ce qu'ils recherchent, moi j'ai la citation en tête de Malcolm X, qui dit « Si vous n'êtes pas vigilant, les médias parviendront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. » Et donc c'est exactement ce à quoi on assiste, c'est-à-dire qu'on va défendre les ultra-riches et on monte tous les autres, les uns contre les autres, et donc on cherche à faire en sorte que l'opinion publique déteste, soit repoussée vis-à-vis de ceux qui essayent de se mobiliser et en fait de se battre pour les 99%, parce que c'est l'objectif que le mouvement poursuit. Et c'est pour ça que leur technique, c'est de déformer la réalité, c'est l'effet de cadrage, c'est-à-dire d'occulter une partie de la réalité, et puis c'est de poser des sujets interdits. Il est interdit de contester la version officielle du pouvoir. Sinon, vous êtes complotiste. Et vous êtes immédiatement frappé du sceau de l'infamie. Et qu'on ait des exemples récents où le pouvoir a menti, évidemment le plus topique, c'est la guerre en Irak, avec les armes, les prétendues armes de destruction massive. Bon, on a là pourtant de nombreux exemples où le pouvoir, la version officielle du pouvoir, était mensongère, et pour autant, dès lors qu'on émet le moindre doute face à cette version officielle, on est qualifié immédiatement de complotiste, ce qui évite d'aller sur le débat de fond. Et pour les personnes qui, encore très récemment, se sont posées des questions sur les raisons de l'incendie de Notre-Dame de Paris, les raisons pour lesquelles, dès le début, une enquête est ouverte pour incendie involontaire, et il est vrai qu'on peut quand même se poser la question pourquoi, avant même le résultat final de l'enquête, ben on pose déjà, en fait, on dit déjà que ce sera un incendie involontaire. Donc tant qu'on n'en sait rien, a priori, il faut laisser effectivement toutes les pistes ouvertes, et on a vu qu'on était immédiatement traité de complotiste. Et puis les sujets interdits, c'est également les traités européens. Moi, j'ai fait un plateau chez Pascal Pro. Alors à un moment donné, il me dit « Oui, le RIC, mais vous ne vous rendez pas compte, la peine de mort, etc. » Bon, alors je lui dis « Je n'avais jamais entendu parler de la peine de mort sur les ronds-points. » Il dit « Oui, bah alors à ce moment-là, on va faire un référendum sur l'euro, c'est ça que vous voulez ?»« Bah, pourquoi pas ?» Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une question qui peut intéresser les gens. C'est peut-être un point central, justement, des politiques d'austérité qu'on subit depuis des années et des années. Bon, elle a déjà été fait, un référendum. Oui, et en plus, effectivement, on a eu un point de rupture démocratique 2005-2008 en nous imposant ce dont on ne voulait pas. Mais donc, voilà donc la technique employée. Alors après, les raisons. Les raisons, en fait, pour moi, il y a deux types de raisons. Raisons structurelles, elles ont déjà été dites, et je comptais citer effectivement le Conseil national de la Résistance, avec l'idée qu'évidemment les médias devraient être indépendants à la fois des puissances d'argent et à la fois de l'État. Comment on fait? En réalité, il faut qu'il y ait un contrôle citoyen. Ça me paraît impossible de faire autrement, sauf que le contrôle, il est censé être exercé par le CSA. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire de commentaires sur le fait que cette instance ne remplit absolument pas son rôle. Mais après, je voudrais... Parce que les raisons structurelles, du coup, on a effectivement les milliardaires qui détiennent les médias. Alors on sait qu'on a, du coup, dans les processus de recrutement, dans les processus de promotion, du coup, ça va jouer. Et on va faire monter et mettre en lumière des gens qui ont plutôt les bonnes idées. Hein, je mets les bonnes idées entre guillemets, mais qui ont des intérêts bien compris et vont donc servir le pouvoir en place. Mais à mon avis, il y a une raison aussi qu'il ne faut pas
Il ne faut pas voir des gens qui sont pleinement conscients partout du mal qu'ils sont en train de faire. Il y a aussi des raisons sociologiques, en fait. Et des gens qui sont dans ce que j'étais moi avant, comme apolitique, hein, ce qui m'a fait voter oui au traité européen et Sarko en 2007. Donc autant vous dire que je partais de très très loin.